D'une capacité de 20 mètres cubes avec trois bornes-fontaines dotées d'une énergie solaire, ce château d'eau dispose d'un forage de 75 mètres de profondeur avec un débit de 9 mètres cubes par heure. La réalisation de cet ouvrage au bénéfice de la population de Mbala-Bayon s'inscrit dans le cadre des activités de bienfaisance que mène l'ONG Directa Aïd, a souligné Hicham Zakrour, directeur du centre Koïssien de Moundou. L'accès à l'eau potable à Mbala reste un défi réel pour la population, a laissé entendre la sous-préfète de la localité, Madame Dadoumadi Tumulengar Prudence, qui rassure d'ores et déjà que ce château va soulager un tant soit peu la souffrance de la communauté en matière d'accès à l'eau potable. Saluant l'excellence des relations liant le Tchad et le Koweït sur plusieurs domaines, dont celui de l'hydraulique, le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mahmoud Saleh, a, au nom des hautes autorités du pays, exprimé sa gratitude à Directa Aïd pour ses gestes. Le gouverneur Ibrahim Ibn Omar Mahmoud Saleh a en outre attiré l'attention des bénéficiaires sur le bon usage de cet ouvrage.